Bonsoir à tous et à toutes de l'APE. Ce soir, c'est le séminaire donc de l'APE. Nous recevons Guillaume Bonnet. Bonsoir Guillaume, et qui va être interviewé. On va lui poser des questions. Et Guillaume est un ami donc de notre cher et tendre trésorier Thibault. Donc voilà, c'est parti. Bonsoir à toi Guillaume. Raconte-nous la genèse de ton projet déjà et un petit peu ton histoire à toi. Comme ça, là. Comme oui, ça. À chaud. C'est une interview tripartite. Tu peux m'aider avec une question plus pointue, parce que sinon, je vais partir dans des élucubrations. Mais non, infinies. Mais tu as fait. Comment tu es un visuel, tu as fait les beaux-arts, comment tu arrives? Est-ce que tu es littéraire, matheux? Enfin, comment tu arrives à aujourd'hui? Sur quelle base? Voilà. Comment il était le petit garçon Guillaume à 10 ans? Voilà, je vais faire de la psychanalyse. Ok, ben fais seulement. Il était, à 10 ans, il était entrepreneur déjà. Je me souviens bien que j'avais une joie immense. Je crois que j'ai peut-être déjà raconté. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais je crée un journal que je tape à l'ordinateur. Je le mets en page, etc. Et puis après, je l'écris. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Je l'imprime et je vais le vendre. Tu fais du porte-à-porte. Et tu étais déjà dans ce rapport un peu à l'échange, à l'information? J'étais pas mal, je me souviens, assez dans la séduction. J'avais envie de plaire aux adultes, mais après, non. Non, et en fait, j'ai fait des études de commerce, aucun rapport. Et en fait, de fil en aiguille, c'est un peu par hasard que je suis tombé dans le podcast. J'ai une amie qui fait de la radio associative et qui me dit, on a besoin, il y a un trou dans la grille, on a besoin d'une émission, fais une émission. Et je lui dis, non, j'ai peur. J'ai jamais fait. Et du coup, on le fait ensemble. Et c'est elle qui m'a donné le virus. Mais ce goût pour la parole, ce goût pour le dire. Ouais. Oui. Et c'est ce qui t'a aussi amené à faire, à vouloir faire un projet sur la psychanalyse? En fait, on commence dans une radio associative sur une toute autre thématique, sur la mobilisation citoyenne, qui est mon ancien métier. Moi, j'avais développé toute une expertise autour de comment tu engages les citoyens et les citoyennes sur des causes sur lesquelles ils ou elles sont indécises. Donc, quel parcours d'engagement tu crées, comment tu racontes des histoires et comment tu, par un mélange de faits et d'émotions, t'embarques les gens. Et en fait, on a fait une série d'entretiens. J'ai beaucoup aimé ça, mais j'ai été très attiré par la liberté du podcast. Ça peut être n'importe quel format, ça peut être n'importe quel rythme, tu ne réponds pas à une grille qui t'oblige à une certaine durée, ni un certain jour. Et à ce moment-là, c'est bien tombé et le fil de la joie de l'audio a rejoint le fil de la joie de l'intime. Bon, en fait, à ce moment-là, moi, j'ai fait 10 ans de psychanalyse en discontinu et je décide d'arrêter. C'est ce que je raconte dans le tout premier épisode du podcast. Je suis assez estomaqué par deux choses. La première, c'est la réaction de mon analyste et comment cette fin se réalise. Et la deuxième chose qui m'étonne, c'est mon isolement, c'est ma solitude. Je n'avais personne à qui parler de psychanalyse. En fait, j'avais envie de me dire, je me rappelle de m'être dit, bon, ça se passe comment en fait pour les autres? Je ne sais pas, les autres, j'avais envie de me comparer, j'avais envie de partager et je n'avais pas ça. Et le podcast, au début, a été une excuse pour parler à des vrais gens qui ont fait une analyse. Quoi. Et le fait je t'interromps une seconde, Guillaume. Je t'interromps. Il y a le bras du micro qui te cache complètement. Donc Mais physiquement, je ne suis pas intéressant. Écoute mes mots, ferme les yeux. En fait, on a fait au mieux pour un setup. Ah ben là c'est bien. Et on est là, c'est bien. Okay. Là, tu t'as bougé un petit peu, c'est parfait. Là, c'est bien. Je suis désolé. Du coup, dans ce rapport à la parole, au fait de vouloir témoigner, qu'est-ce qui te donnait envie? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te raconter dans ce podcast? Donc, de ne plus faire parler les autres, mais de me faire parler moi. Quelque part, dans le premier épisode, en fait, tu te racontes toi pour inviter l'autre à se raconter. Ouais. J'ai fait une bêtise, il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son.
Faut laisser de la soupe. Il n'y a plus de son. C'est bon. Vous nous entendez? Oui, le son, c'est arrêté. Ouais, je dirais que la première impulsion, c'est celle que je te disais juste avant, c'est aller parler à des gens. C'est ma première envie, c'était celle-là. Et avec un micro, en fait, tout seul, quand tu dis coucou, quelqu'un veut me parler, c'est un peu plus compliqué. Alors que quand tu as le cadre du podcast, facilite. Et après, il y a vraiment, c'est marrant parce que j'en parlais justement à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, d'essayer de comprendre pourquoi je fais ça. Je pense que le deuxième point, il serait transgressif. C'est-à-dire, j'ai une joie à faire entendre quelque chose que je n'entends pas pour le moment. Et l'aspect de transgression, c'est un peu, moi, j'ai commencé la psychanalyse à 19 ans, je n'ai pas de connaissances ou de compétences, mais je vois quand même un monde assez fermé. Et ouais, j'ai un petit kiff à me dire, si je trouve des gens qui, avec consentement, racontent ce qui se cache, ce qui se dit dans le cabinet psychanalyste, ça me fait marrer, ça me plaît. Un peu comme un adolescent vient challenger une autorité, s'il y avait cette dynamique. Et tu l'as d'ailleurs raconté dans un de tes podcasts, tu as eu beaucoup de mal au début à les stimuler, non pas des gens qui sortaient d'analyse, donc des analysants, mais des analystes. C'est-à-dire que tu t'es même pris des mails assez violents. Ouais. Il y a un moment donné, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de faire entendre l'autre côté du divan. Et en effet, il y a eu. En fait, j'ai trouvé les annuaires des principales associations de psychanalyse en ligne. Donc, n'importe qui peut le faire. Et j'ai envoyé des emails, quoi. Parce que les contacts étaient publics. En parlant du podcast et en disant, est-ce que vous souhaitez participer? J'avais envie de faire entendre ce que des psychanalystes avaient à dire, s'ils le souhaitaient, de ce que c'est la fin d'une analyse selon eux, la leur ou celle d'autres personnes comme des cas. Et en effet, ouais, ça a ébouriffé certaines personnes. Ouais. Et ébouriffé jusqu'où? Eh bien, jusqu'à une forme de colère. Ils n'étaient pas contents. Et je sais, ben, ça leur appartient, je ne sais pas trop pourquoi. C'est pas trop le pourquoi, mais plus le qu'est-ce que toi ça a fait. Qu'est-ce que ça t'a fait qu'on te renvoie finalement un retour à l'autorité? Tu parles tout à l'heure de transgression à l'autorité. Là, on t'a quelque part, certains t'ont un peu rappelé à leur ordre, à leur perception. Ouais. Alors d'abord, j'étais très triste. Donc j'ai certainement appelé des amis en disant je suis très triste parce que moi, dès que l'autorité ne me valide pas, j'ai un petit coup de panique en me disant mais ils ont forcément raison. Puis c'est des personnes âgées. Je me disais, oh là là, mais du coup... Ça fait une petite moyenne d'âge avec la psychanalyse, quand même. Il y avait un poids, tu vois, à cette voix particulière. Et puis, les réactions, elles n'étaient pas toutes comme ça, hein, mais les réactions négatives étaient tellement virulentes que je me suis dit, tu ne peux pas être à ce point-là virulent si ce n'est pas un peu vrai. Donc, je me suis, comme d'habitude, remis en question, ce que j'appréciais assez bien. Et après, j'étais assez... l'adolescent en moi était satisfait parce que j'ai trouvé l'autorité stupide. C'est-à-dire que moi, je suis allé à la rencontre de ces gens, j'ai dit, dites-moi, je veux bien être convaincu de la stupidité de ma démarche, et tout, il n'y a pas de problème, dites-moi. Et là, c'était nul. Enfin, c'était pas intéressant, quoi. Enfin, c'est nul. En tout cas, eux, ils vivaient leur émotion, mais à part l'émotion, ils ne m'ont pas proposé d'argument. Je me suis dit, ah oui, je suis en train de fragiliser des gens, ou je suis en train de faire dire quelque chose qui fait du mal. Et la dernière chose, c'est un peu aussi une réponse à ta première question, c'est pourquoi je fais ça. Moi, petit à petit, j'ai développé vraiment un amour. Je ressens de l'amour et de la curiosité qui sont un peu les deux mots que j'ai trouvés avec quelqu'un avec qui j'ai échangé pour comprendre pourquoi je fais ça. L'amour, c'est... J'ai vraiment un respect et une joie à entendre, à recueillir le témoignage et à en prendre soin. Je trouve que le témoignage, il est thérapeutique, c'est comme un coming out, quoi. Et ces gens-là, ils viennent pas par hasard, ils viennent déposer des choses. Et moi, je suis dans un élan vraiment, ouais, je dirais amoureux. Bon, sans l'aspect peut-être romantique. Il y a vraiment un élan. Et l'autre, c'est la curiosité. C'est qu'en fait, je suis intarissable. Je me découvre intarissable de « ah ouais, dis-moi plus ». Et d'ailleurs, dans ce que tu disais tout à l'heure, tu as spécifié que c'était des gens qui venaient déposer un témoignage avec consentement. Finalement, il y a eu un peu de succès derrière ça. Il y a beaucoup de gens qui ont consenti, pas que des psychanalystes, bien sûr, surtout des gens qui sortaient d'analyse, qui ont vécu une analyse, parfois très heureuse, parfois très triste, dans tous les épisodes de ton podcast. Et du coup, comment est-ce que tu as trouvé
ce consentement? Comment est-ce que les gens sont arrivés à toi? En fait, c'est un faux succès. Parce qu'en vrai... Dit le monsieur qui a comme reçu un prix, le prix du meilleur podcast il y a de cela 2 semaines, et c'est un succès qui n'est pas légitime. Non, non, tu es sympa. Non, c'est un succès et ce podcast est génial et il faut absolument l'écouter immédiatement. Mais non, ce que je veux dire, c'est un faux succès, c'est-à-dire, je trouve ça très intéressant et c'est très entrepreneurial. Moi, j'ai demandé à 500 personnes, 10 disent oui. Et toi, tu vois les 10 qui ont dit oui, tu dis, ah, mais c'est cool, 10. Bon, là, il y en a 40. Mais en fait, il y en a fois 10 qui ont dit non. Le faux succès, c'est en tout cas, c'est un vrai succès, mais ça camoufle. Ben, en fait, mon ratio, il est très bas, le nombre de... Entre, tu vois, quand je démarche, notamment au début, des gens, il y en a 1 sur 20 qui veut bien... Finalement, c'est l'aventure entrepreneuriale qui parle. C'est-à-dire que c'est sur le cimetière des échecs que tu as fait ton succès? Ah, complètement. En fait, tous mes podcasts, et parce que j'ai plusieurs podcasts qui parlent de l'intime. Donc, j'ai ce podcast sur la psychanalyse, ma dernière séance de psychanalyse. J'en ai un autre qui s'appelle « Comment devenir sexuellement épanoui ?» où là, j'invite des hommes, gays, bi ou queer, à raconter leur cheminement d'épanouissement sexuel. Et pareil, et les deux, c'est pareil, c'est vraiment un niveau d'intime où la plupart des gens disent « Mais non, t'es fou, qu'est-ce que je vais aller raconter ça dans un micro ?» Donc, c'est sûr que j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai passé des heures et des heures à envoyer des messages. C'est pour ça que moi, quand je vois le carnet là, d'adresse des psychanalystes de France, bon, j'ai un petit logiciel qui envoie 50 emails par 50 emails pour ne pas me faire flaguer en spam. Et je suis déterminé, comme je sais qu'il y en a 90% qui vont me dire non, il faut que j'aille lancer un max de canapés. Alors, je précise pour nos chers auditeurs que aujourd'hui, faire cette démarche-là avec le RGPD n'est plus possible. Donc, ça, tu l'as fait avant? Non, certainement. Mais l'email est en public. Oui, mais la collecte et la réutilisation est quand même... D'accord. Mais donc, ça, c'était avant le RGPD. Bien sûr. Cette démarche avant le RGPD. La série de couper son page. Et donc, du coup, c'est finalement... c'est devenu un petit succès. Tu as eu beaucoup de gens qui sont venus se confier à toi. Comment est-ce que tu partageais cet intime-là? Comment est-ce que tu déterminais un cadre justement pour faire ton travail, aller quelque part creuser aussi, tout en gardant le consentement et l'envie? Je trouve cette interview très bienveillante, je te remercie. Je t'invite à venir un peu me gratter si tu le souhaites. Je n'ai pas obligé de répéter succès à chaque question, mais c'est un succès et je le prends et je te remercie. Mais genre, viens me chercher, n'hésite pas. Surtout que moi, je t'ai eu... Là, c'est intéressant parce que moi, je t'ai interviewé sur le podcast. Tu es Thibaut de mon podcast, ma dernière séance de psychanalyse, l'épisode sur le syndrome de l'imposteur. Donc, je serais très rigolo que les rôles soient inversés. Non, mais justement, c'est progressif. Tout est progressif. Ah, OK. Tu vas être... ta question, c'est le cadre. En fait, en ratant, je pense qu'au début... Ce que j'ai mis en place et que je n'avais pas au début, c'est les pré-entretiens. Donc, en fait, j'invite les gens sur tous mes podcasts à 30 minutes de visio pour qu'on se voit. Je pense que c'est assez important. Et que je les aide à faire émerger le témoignage qu'ils souhaitent donner. En fait, ce que j'ai découvert au fil de l'eau, c'est un beau témoignage. C'est quelqu'un qui a envie de le donner. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui... arrête de dire ce que j'ai à dire, c'est pas assez intéressant, et se dit ok, j'ai envie de partager quelque chose. Et c'est ça le cadre le plus important, c'est d'aller chercher où est l'élan de la personne, sur quoi tu as envie de témoigner et non pas sur quoi tu penses que tu devrais témoigner, c'est-à-dire ah oui, moi je pense que l'angle de mon sujet, l'angle de mon témoignage qui va plaire, c'est ceci, cela. Non. Et après, en fait, j'ai des règles du jeu très spécifiques. C'est des montages non montés, bruts. Il n'y a pas de réécoute. Donc, en pré-entretien, je donne toutes les règles du jeu. Et il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de réécoute. C'est brut. Il faut avoir écouté un bout d'épisode. Il faut savoir un peu dans quoi on met ses pieds. Et on identifie, en effet, dans le pré-entretien, des axes clés. C'est-à-dire, en gros, c'est toujours la même chose. C'est quels sont les nœuds que tu as travaillé sur le divan. Et pendant le pré-entretien, je teste une ou deux questions un peu plus grattantes pour les mettre en condition de, tiens, si je venais à la rencontre de ton histoire, comment toi, tu vivrais? Et à la fin, je demande, en fait, il n'y a pas de pression.
Mais tu vois, j'ai pas de. Je sens que c'est important ça, que je me dise pas, tiens, j'ai vraiment. Parfois, je sens que j'ai vraiment envie que la personne témoigne, je me dis, mais c'est pas possible. Et je fais vraiment attention à ce qu'elle ait l'espace de prendre sa responsabilité. As-tu envie d'aller comme ça exposer ta vie? Et parfois, je demande, c'est quoi les bonnes raisons de ne pas faire le témoignage? Mais du coup, dans ce rapport à l'envie de gratter, comme tu dis, comme tu m'invites à le faire pour toi dans cet entretien, comment est-ce que tu es certain que la personne peut se livrer sur un travail psychique qu'elle a fait dans un cadre avec beaucoup, normalement, de déontologie, de respect, de confidentialité? Comment tu les amènes, toi, à aller sur un sujet qui est des fois, parfois, complexe, difficile, une source de souffrance, qui parfois est aussi une source de joie, de développement de l'individu? Comment est-ce que tu arrives à choper le consentement pour l'amener à se livrer? En vrai, j'ai pas envie d'éviter ta question et je vais y répondre, mais toi, comment est-ce que, alors que tu as décidé de participer, est-ce que tu te rappelles comment tu t'es senti à l'aise pour te dévoiler? Ça, c'est ce qui est Non, je te promets, génial. je répondrai après. Et c'est ce qui est génial, c'est que justement, Guillaume a cette habitude, cette manière de choper quelque chose et de vous amener à réfléchir. Et c'est là où. Quand on parlait après, je crois, moi j'ai senti quand même un Guillaume qui ne veut pas être analyste, qui ne veut pas écouter les gens, mais quand même qui aime gratter et qui aime entre le journaliste et l'analyste. C'est-à-dire c'est un analyste d'investigation. Et comme tu le dis, toi tu veux aller gratter un sujet, tu vois qu'il y a un truc qui t'intéresse et tu y vas. Là c'est l'analyse d'investigation. Et moi c'est ça que j'ai aimé, c'est-à-dire ce qui m'intéressait, c'est pas l'exhibition, c'est la manière dont tu travailles. Une ou plusieurs flammes chez quelqu'un. Et comme vulcain, tu vas venir taper dessus pour révéler quelque chose. Donc, voilà. Et toi, tu dis que tu es podcasteur, c'est ce que tu m'as dit plusieurs fois. Je t'ai reposé des questions plusieurs fois, mais c'est. Il y a en même temps de l'analyse, parce qu'au bout de 10 ans, je crois que tu as une posture dans la pratique, dans la théorie, ça je ne sais pas, et pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Mais il y a quand même aussi du journaliste qui va investiguer, il regarde les lignes, comme tu dis, et qui va ensuite creuser. Moi, en préparant cet échange, j'ai marqué, je sais pas si j'ai mes notes, j'ai marqué que je me sens artiste, psychanalyste, pirate. Pirate. C'est intéressant. Bon, j'avoue que ça rendait beaucoup mieux quand je l'ai écrit, là, c'est un peu tout pourri. Mais en fait, je me sens avant tout artiste, c'est-à-dire j'ai avant tout envie d'emmener les gens dans une aventure auditive. Moi, l'image ne m'intéresse pas du tout, elle me limite, elle me complexe. En vidéo, pour moi, c'est l'horreur. Je n'ai pas envie. Et pourtant, là, tu survis. Et là, Là, on te j'utilise en voit. vidéo, mais c'est pour ça que je suis caché derrière mon bras de micro. Non, non, mais je suis très beau et tout, il n'y a pas de problème. Peut-être c'est un problème de dire ça, mais en fait, ça ne m'intéresse pas parce que je trouve que je n'entends pas bien et je trouve que ça bloque l'image. Moi, je suis un artiste de l'oreille et j'ai envie d'embarquer les gens et de leur faire vivre quelque chose. Et moi, je suis le plus touché quand les gens me disent, ça m'a ouvert des fenêtres dans ma tête. Tu m'as amené à des endroits où vous, l'invité et toi, m'avez amené à des endroits où je me suis remis en question, ou bien ça m'a gêné, ou bien ça m'a intéressé, je me suis retrouvé où je ne me suis pas retrouvé, et j'ai voyagé, quoi, et j'ai appris. Donc c'est d'abord l'aspect artistique, et ça c'est nouveau pour moi, et c'est pour ça que ça m'intéresse de faire ce genre d'entretien, c'est que c'est rare en fait que j'ai à rendre des comptes. C'est pour ça que ça m'intéresse que tu grattes, c'est qu'au final, j'aime bien que le pouvoir, il change parfois. C'est pas toujours moi qui, tu vois, pose les questions. Et parce que moi, ça m'intéresse vachement de me remettre en question, de questionner mon avancée. Et pour la première fois, je dis artiste, alors que je trouve pas ça évident. J'ai un peu un syndrome de l'imposteur. Psychanalyste, pirate, les deux vont ensemble parce qu'en gros, bah, tu vois pas, mais j'ai un bandana, j'ai un sabre. Et j'ai des super belles chaussures, je sais pas, les pirates, ils ont quoi? Et en fait, je me fiche des règles. Je trouve que vraiment la théorie, ça m'emmerde. Et peut-être c'est le côté encore adolescent, mais pour moi, la théorie et la façon dont elle est présentée aujourd'hui, elle est faite pour les riches, elle est faite pour ceux qui ont le temps de lire 50 fois le même paragraphe. Et en fait, moi, ça m'agace. Dis-moi les trucs simplement. En fait, moi, j'ai fait 10 ans de psychanalyse, je devrais comprendre la putain de théorie par laquelle je suis passé, quoi. Et en effet, je suis grossier parce que. Je trouve que c'est bon, peut-être au temps de Freud, fallait endimancher
les mots. Moi, je trouve qu'en 2022, il y a pas besoin. Et en plus, quand j'ai essayé de la lire, je ne l'ai pas comprise. Et peut-être que je n'ai pas aussi le niveau intellectuel nécessaire à la lire. Ou peut-être que je n'ai pas la curiosité et l'amour que j'ai pour les gens qui témoignent. Je ne l'ai pas pour la théorie. Donc non, je suis pirate dans ce sens-là. Mais après, c'est vrai que, un peu grâce à toi et grâce à d'autres personnes qui m'en ont parlé, c'est vrai que je vois des psychanalystes se lancer après 10 ans, 5 ans de psychanalyse. Et moi, enfin, genre, j'ai plus de kilomètres au compteur, donc je me dis bah, pourquoi pas moi? Enfin, ça m'a posé la question. Je ne me sens pas du tout psychanalyste parce qu'on n'est pas dans un espace thérapeutique. Donc c'est non, en fait. Moi, ça ne m'intéresse pas de soigner les gens. Le mandat qu'on m'offre, c'est un mandat de gratouille. Un analyste, peut-être ça te gratouille, mais tu le payes, moi, tu ne me payes pas. Il y a tout un cadre qui n'est pas là. Et moi, je ne souhaite pas porter ni le transfert, ni l'histoire des gens, en fait. Et ils viennent la déposer et ils viennent planter une graine, ça fait une magnifique plante, elle ne m'appartient pas et je ne la porte pas, ça m'importe. En revanche, c'est vrai que la dernière fois, il se passait un truc dans l'entretien de Frédéric, dont le titre m'échappe, peut-être ce n'était pas un titre super, je crois que c'était Sortir de l'alcoolisme, Frédéric QUE. Et elle me parle, en fait, elle me parle du rapport qu'elle découvre en psychanalyse entre l'alcool et comment elle sert qui. En gros, l'alcoolisme, elle se sent asservie par l'alcoolisme. Et elle me dit, je ne sais plus quel épisode c'est, il faut absolument que vous alliez l'écouter parce qu'il est très beau ce témoignage. Et je trouve que la voix de Frédéric est importante. Et elle parle, ouais, de je me sens asservie. Et elle dit, la psychanalyste, je crois que son analyste lui dit, qui servez-vous? Ouais, qui servez-vous? Et moi, pendant tout ce temps-là, il y avait une évidence, parce que j'entendais servir, genre, tu sais, tu te sers un coup, tu te sers à boire, tu vois, tu te sers de l'alcool. Et ça, je pense qu'il y a quand même un truc qui est un peu au-delà de l'artiste pirate, mes fesses et tout. Il y a peut-être un truc dans mon écoute où je me suis dit, c'est marrant, il y a des fulgurances, et où je lui demande, je lui dis, mais. Entends-tu? Elle me dit, je sais pas ce qu'elle me répond, mais on file après vers, oui, c'est vrai qu'elle servait son père, qu'il y avait en fait, et que son père était alcoolique. Ça, c'est de l'association libre. Et ces fulgurances, comme tu les appelles, c'est quand les gens, justement, arrivent à avoir ces fulgurances-là et que les analystes les orientent là-dessus. Donc, du coup, tu confirmes en fait ce que je dis, c'est que tu ne veux pas porter les histoires des autres. D'ailleurs, un analyste ne porte jamais l'histoire de l'analysant. Il supporte ou il travaille le transfert, ça oui. Mais il n'a pas vocation à supporter l'histoire, ou même ce qui lui arrive, ou même à endosser tout ça. Et du coup, tu vois, il y a quand même dans ce pirate psychanalyste quelque chose que tu fais qui est dans un entre-deux. Et quand dans cet entre-deux-là, tu travailles, c'est quoi ta déontologie, c'est quoi tes limites? Non, je souhaite me dédire. Je souhaite dire exactement l'inverse de ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce Pourquoi que tu changes d'avis? je ne suis pas psychanalyste, parce que pour le moment, c'est l'amour qui m'intéresse et c'est moi qui m'intéresse. Et je pense qu'il y a plutôt un coming out égocentré, mais je l'espère un peu quand du coup l'ego prend une place nette. J'ai l'impression qu'il fait moins de mal que quand il est interdit. Moi, en gros, je te dis, si tu as envie, viens écouter mes trucs. Mais en fait, si tu n'as pas envie, viens pas les écouter. Je n'ai pas de problème avec ça. Et je crois que ma recherche, ma quête, elle est avant tout une quête personnelle, moi, intime, sur ma compréhension du monde, sur ma compréhension de l'être humain, tu vois, sur ma compréhension des symptômes de souffrance de santé mentale. Je sens que moi, je chemine en tant que voix VOX et je suis présent dans le podcast, je me partage. C'est-à-dire, je vais de plus en plus, j'essaye dans les derniers épisodes notamment de rebondir lorsque je me souviens de ma propre analyse, de ce qu'elle a fait. Je crois que je suis. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est Il y a vachement. des outils, il y a de la posture, mais il n'y a pas d'analyste. Tu es En tout cas. habité par quelque chose qui est pluriel. Et puis, en fait, c'est moi dont je parle. Je crois qu'il faut que je sois honnête et tout. Moi, je ne fais pas ça pour les autres. J'ai de l'amour pour les témoignages. J'ai envie que les gens soient heureux. J'ai envie que les gens soient fiers de ce qu'ils ont dit. Et j'ai envie qu'ils rebondissent
mais ce n'est pas thérapeutique. Et moi, je suis là pour moi avant tout. Je pense qu'un psychanalyste, ce que l'argent de la fin de la séance vient sanctionner, c'est le moi, c'est genre, ah non, mais en fait, juste on se rappelle bien, j'ai un billet de 50 euros. Il n'était pas question de moi, j'étais au service d'eux. Moi, on ne paye pas. C'est ça la diff. Donc, il y a quand même de la théorie que tu as assimilée. Il y a pas mal de choses théoriques que tu as assimilées, Ah, que j'ai éprouvé. éprouvées. Ah oui, à chaque fois que je venais poser le billet sur le bureau de mon analyste, je sentais que c'était très important, en fait, que ça soit en liquide. En tout cas, au début, c'était par chèque. Je pense que j'étais jeune et c'était mes parents qui payaient, puis petit à petit. Mais ouais, je me souviens vraiment bien de l'impact du liquide. Et pour moi, c'était très important, une fois que j'avais livré mon indicible, de dire, mais le gars, je le paye. C'est pas mon pote, c'est pas mon. Et comment tu fais justement aujourd'hui dans ce rapport à ta déontologie, la manière de gérer cette relation finalement qui est unique dans ce travail artistique, dans ce travail du témoignage, dans ce travail du rapport à l'autre? Comment est-ce que tu travailles ça? C'est quoi la déontologie pour toi que je comprenne? C'est genre, comment Les tu règles fais du pour pas jeu? manipuler les gens? Pour avoir de vrais témoignages, pour être respectueux, pour ne pas avoir d'incidence sur eux. Pour que peut-être aussi, quand le podcast s'arrête, ça reste un podcast, que ce ne soit pas une source de dérive aussi. Comme quoi une source de dérive? Je ne sais pas, parce que ce que toi, ce que ta pratique, tes envies, en fait, te disent. Ouais. En fait, je fais signer aucun contrat. Et le jour où quelqu'un m'envoie un message en disant, en fait, j'aimerais que mon témoignage soit retiré, je le fais. Et ce que je dis aux gens, et qui est assez vrai, c'est que pour moi, la priorité, c'est eux ou elles. Et c'est sûr que ça me saoulerait, tu vois, si demain, Hélène, l'épisode avec lequel on a gagné un prix, trop cool et tout, l'épisode 11, le 11e en tout cas. Il est trop beau et moi je les aime. En fait, chaque témoignage, je les aime, quoi. Et donc, si la personne, bah, j'ai envie de savoir un peu pourquoi, mais je respecterai complètement. Et voilà, et donc il n'y a pas de sujet, quoi. Il n'y a pas de sujet d'argent, il n'y a pas de sujet. Ça n'est jamais arrivé. Mais je pense que déontologiquement, ça s'est petit à petit formulé pour moi et c'est essentiel de mettre l'autre en priorité. Et après, en fait, j'aime bien le deal. Il n'y a pas de montage. Et je ne suis pas journaliste. C'est-à-dire, moi, je ne viens pas. Chercher, j'étais attaché de presse dans une vie antérieure. Je ne viens pas, un journaliste, je ne crois pas à l'objectivité du journaliste. Je n'y crois plus. Et du coup, un journaliste vient saisir un bout, une citation, un bout de ton propos et l'utiliser pour faire entendre le propos que le journaliste souhaite faire entendre. Moi, le deal, c'est tout est dedans. Mais sauf que toi, tu disais quand même que lors des pré-entretiens, il y avait des choses que tu sélectionnais quand même. Tu vas, puis je l'ai vécu, je peux en témoigner, quand tu fais des pré-entretiens, tu vas demander à l'autre de sélectionner deux, trois grandes thématiques, tu vas toi-même aller en choisir en disant bah, tiens, moi j'aimerais bien creuser ça avec toi, est-ce que tu es OK? Pense déjà en faisant une liste au sujet que tu retraces. Donc il y a quand même aussi un parti pris. Ouais, tu as raison, mais je crois avoir la capacité, et je pense que je me trompe, d'entendre s'il y a vraiment de la joie derrière les axes que je propose. C'est-à-dire, en gros, bon, les gens, en gros, ils me disent, voilà mes principaux nœuds que j'ai travaillé en psychanalyse. Et ce que je vais dire, je ne sais pas si c'était ton cas, mais c'est on ne peut pas tout couvrir en 1 heure selon combien de nœuds les gens ont dit. Si tu devais n'en saisir que 2 ou 3, ça serait quoi? Ça serait lesquels? Et souvent, on arrive du coup à les ranger en. Enfin, souvent, ils disent, ouais, bon, bah, en fait, en vrai, celui-là, en fait, je le mentionnerai autour de celui-là. Enfin, ils se priorisent. Et c'est une responsabilité que je veux qu'eux prennent. Est-ce que je le fais toujours bien? Je ne sais pas. Est-ce que je les influence et qu'ils deviennent soudainement aveugles et incapables? Je ne crois pas trop, parce que tenir 1 heure sur un sujet dont tu n'as pas envie de parler, qui n'est pas vraiment le tien, enfin, tu vois, ça serait un peu chaud, je pense. Mais en tout cas, je leur dis, est-ce que tu as envie de raconter ça? Et puisque tu ne peux pas tout dire, c'est dans mon email de départ, puisque tu ne peux pas tout dire, qu'est-ce qui est important pour toi de dire? Et le pré-entretien se conclut par est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose d'essentiel? Oublie tout ce qui vient de se passer, tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose? Et ça m'est, est-ce que ça m'est déjà arrivé? Non.
Il y a des détails qui ressortent, mais non. Non, parce que les gens, ils savent ce qu'ils viennent faire, quoi. Ils viennent pas me servir, moi, ils viennent se raconter eux. Je crois vraiment pas. Mais restons vigilants. Je pense que le pire qui peut m'arriver, malheureusement, c'est des énormes audiences. C'est un succès gigantesque. Parce que là, en fait, moi, je pense que j'irai faire quelque chose d'autre. Je pense, mais peut-être pas. Du moment où le succès arrive, toi, tu t'en vas. En fait, je pense que du coup, les gens, ils se livrent différemment. J'ai déjà eu une psychanalyste qui a finalement annulé son intervention parce qu'en fait, apparemment, dans certains milieux psychanalystes, le podcast est écouté, qu'on lui a dit non, non, faut pas que tu te livres parce que ça va compliquer ceci, cela. Et je pense que la parole des gens, elle vient écrasée par un podcast très populaire. Mais bon, peut-être qu'ils ne le sauront pas, c'est très Et populaire. finalement, ton audience, elle est plus les gens qui sont sortis de leur psychanalyse ou les psychanalystes? Ah non. Ah, j'en sais rien, pardon. Moi, les messages que je reçois, je reçois très rarement des messages de psychanalyste, mais les messages que je reçois et qui, moi, font vraiment ma joie, c'est des gens, la plupart du temps, en analyse, qui sont comme moi, en fait. J'ai créé le contenu que moi, j'avais envie d'avoir, qui sont tout seuls, assez isolés, dans ce cheminement d'analyse et qui disent que les mots résonnent. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu travailles différemment Moi, je par piche rapport pas, à... excuse-moi, je piche pas les psychanalystes qui écoutent mes podcasts. Hein. Ben, Toute la écoute, journée, tu te tapes du propos de j'en suis un gens. bon exemple, j'en suis un très bon exemple, un très mauvais exemple. Ah non, c'est un Et boulanger qui fait d'ailleurs, du pain le soir, quoi. ce qui est d'ailleurs formidable, c'est que récemment, on a eu une réunion, un festival, où on a commencé à parler. Il se trouve qu'en revérifiant, j'avais des collègues qui étaient abonnés à toi, comme quoi notre association est quand même très dogmatique et quand même très très ouverte, parce qu'il n'y a pas que certaines typologies parfois dogmatiques d'analystes, il n'y a pas toutes les chapelles ne sont pas pareilles. Et donc ce qu'on voit comme surreprésentation, c'est ce côté un petit peu dogmatique. Mais quand on est passionné, vraiment passionné, je pourrais parler pour toi de céramique, et je suis sûr que tu peux en manger jusqu'à endormir. Non. Moi, j'ai envie, je crois comprendre, et ça m'intéresse beaucoup de comprendre les gens qui disent que ce podcast est une hérésie ou une sottise. C'est génial, c'est Bon. génial. En fait, je trouve ça, moi, je reconnais que ça ne dit rien de ce qui se passe en analyse. Ça dit très difficilement de ce qui se passe en analyse. Parce que les témoignages que je recueille, c'est des gens qui ont conceptualiser, storyteller leur histoire. Et donc en vrai, ils nous racontent bien ce qu'ils veulent. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai, mais je dis qu'on a rajouté tout un tas de couches qui n'est pas la psychanalyse. Et c'est peut-être aussi ça, je crois que j'ai entendu dans les gens qui, dans les psychanalystes qui attaquent le podcast, à juste titre, c'est de dire, mais vous n'êtes pas du tout en train de parler de psychanalyse, ce n'est pas ça la psychanalyse. Et la psychanalyse, elle ne peut pas se raconter en dehors du moment vécu dans le cadre thérapeutique de l'analyse. Et moi, je l'ai éprouvé, ça parce qu'il m'est très compliqué d'arriver à dire ma psychanalyse. Il est très compliqué. Je sélectionne des souvenirs, mais je biaise. Mais c'est obligé, parce que la psychanalyse en elle-même, c'est un peu une expérience. Et d'ailleurs, j'allais dire l'expérience type, d'ailleurs, c'est, je ne sais plus qui m'évoquait ça il n'y a pas longtemps, que le principe même de la psychanalyse, c'était de vivre l'expérience pour le devenir. Ce qui n'est pas le cas pour les psychologues, ce qui n'est pas le cas pour les psychiatres, ce qui n'est pas le cas pour plein d'autres métiers. Alors que là, pour la psychanalyse, il y a quelque chose d'assez expérientiel dans le fait de suivre une analyse pendant un certain temps, et ensuite, par cette expertise-là, cette expérience de vie, entre guillemets, tu peux pratiquer avec, sous réserve, de suivre quand même pas mal de temps, après ton analyse personnelle, un enseignement théorique pour savoir te repérer. Si tu es médecin et que tu deviens psychanalyste, ben, tu peux effectivement faire du diagnostic, tu peux effectivement faire du conseil médical et du suivi médical, mais si tu n'es pas médecin, ben, tu prends en compte tous ces paramètres pour ne pas faire de diagnostic, pour réorienter, mais être suffisamment alerte sur qu'est-ce qui pourrait arriver et savoir garder une déontologie, un cadre, et pouvoir recommander ou du moins ne pas accepter des patients qui seraient dans des situations compliquées. Donc il n'y a pas que de l'expérience, il y a aussi un apprentissage théorique, mais parler de cette expérience qui est très subjective, finalement c'est super intéressant.
Et c'est de la psychanalyse. Ouais, grave. Enfin, en tout cas, moi, c'était un des points que j'entendais. Si jamais ils avaient l'impression que j'avais la prétention de dire voilà, ce que vous allez entendre, c'est de la psychanalyse ou que sais-je. L'autre chose, sur notamment, c'était un monsieur qui m'avait dit que c'est du voyeurisme. Eh ben ouais. Enfin, le voyeurisme est très péjoratif, mais en vrai, il me manque des histoires émouvantes pour connecter mon cœur et grandir avec. Donc, si tu veux appeler ça du voyeurisme, bah ouais, si tu veux, mec, j'ai pas de problème. Mais moi, j'ai pas. En fait, ça me gênerait beaucoup de faire un micro caché. Ça me gênerait beaucoup qu'il y ait une absence de consentement ou que ça soit camouflé ou qu'il y ait de la manipulation. C'est-à-dire, moi, c'est pour ça que le pré-entretien est essentiel pour moi. Et je dis aux gens, mais je veux pas te surprendre avec les questions. Je les donne tout au début. Il n'y a pas d'enjeu de ah ah, je t'ai bien eu. Et c'est pour ça que du coup, comme c'est un témoignage, ouais, c'est un endroit où je vais pouvoir naviguer mes émotions. Enfin, moi, je regarde des films pour ça. Je pleure devant des films ou je regarde des sottises à la télé aussi parfois pour aller à un certain endroit des émotions de mon cœur qui sont bloquées sinon. Et du coup, dans les récits, tu as justement ça. Justement, c'est cette dimension-là qui est racontée, qui est maîtrisée aussi. On sent qu'il y a un travail de préparation. Moi, je l'ai vécu, ce travail de préparation, où c'est cadré. Et finalement, dans l'entretien, il y a un lien qui se crée, une sympathie. Et dans cette sympathie-là, on a envie de raconter quelque chose. Et ce qui est intéressant dans ce travail de se raconter, finalement, c'est aussi peut-être quelque part une fierté aussi de dire qu'on a pu faire ce travail-là. Et que... C'est le coming out. Alors, j'aime pas le terme de coming out, même moi, je l'explique. C'est le mot, ça. Tout à fait. Et que dans ma propre homosexualité, j'ai pas voulu le faire. Donc, j'aime pas me révéler de cette manière-là. Mais en tout cas, la manière dont moi, j'ai apprécié témoigner de ça, il y a effectivement tous des souffrances, des degrés différents, des souffrances même des fois des passages, des transitions, des passages à l'acte, à des fulgurances, comme tu le dis. Et elles permettent d'arriver à un état qui est très intéressant. Du coup, parler de ça, pour moi, c'est de la psychanalyse. Et finalement, la psychanalyse n'est pas cantonnée à ce qui se passe en séance. Il y a surtout l'expérience d'une vie. Quand tu te mets dans une dimension où je suis dans une analyse, quand tu sors du cabinet, justement, toute la confrontation aux idées, aux perceptions, elle se passe aussi en dehors. Ouais. Donc, quand je... Oh, quand moi, je m'en fiche de savoir. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais du coup, c'est ça qui est... Ce que tu dis est intéressant, mais moi, je m'en fiche de savoir ce que c'est ou ce que ça n'est pas. Quand tu dis qu'il y a des gens qui te contactent parce qu'ils sont en analyse, c'est justement, c'est que quand on sort du cabinet, on est un peu seul en tant, ouais. en tant qu'analysant. On est seul face à soi-même, ouais. à ses révélations, à ses craintes, à ses peurs, à ses joies. Et quelque part, d'entendre que d'autres vivent ça et l'ont vécu, ça montre bien que le travail existe. Et puis, je pense que le podcast... j'ai une amie auquel je pense, que j'embrasse, Anne-Sophie, qui ne fait pas, je ne pense pas me tromper, elle ne fait pas, elle n'a jamais fait de travail thérapeutique. Et elle est fan de la première heure du podcast. Au début, je croyais que c'était par amitié. Du coup, au bout du 40e épisode, je lui ai dit, tu sais, en vrai, enfin, sens-toi libre, hein, y a pas de... Et en fait, non, elle dit, je trouve ça passionnant. Et moi, je pense qu'il y a un appétit pour bien sûr entendre la vie des gens, mais il y a un appétit pour cette forme de soins de santé mentale. C'est-à-dire qu'on est, je pense qu'on est dans un monde, oh, j'aime pas ce début de phrase, mais je pense qu'il y a un besoin, il y a un besoin de prendre soin de notre santé mentale, qu'il y a la promesse des thérapies courtes, en 3 mois, tu seras un homme nouveau, une femme nouvelle, qui marche plus ou moins. Et la psychanalyse détonne là-dedans. Elle a mauvaise presse, c'est censé durer 10 ans, c'est ultra opaque, y a pas, on ne comprend pas le délire, etc. Et là, d'avoir accès comme ça à l'intelligence des gens qui n'est pas théorique, mais qui est expérientielle, voilà, les gens partagent une expérience et leurs problèmes universels et disent voilà comment la psychanalyse m'a aidé ou pas. Et je pense qu'il y a... Il y a une recherche, en tout cas, je ne sais pas si c'est celle de mon ami, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui n'écoutent pas de psychanalyser, notamment, c'est ça qui s'est passé dans le jury là, du Paris Podcast Festival, le prix que j'ai eu, trop cool. Moi, j'ai été estomaqué parce que les gens ayant plus ou moins fait un travail thérapeutique ont été captés
par le propos, alors que moi je pensais que c'était pas intéressant d'entendre un processus de psychanalyse quand t'es pas dedans. Et en fait, le jury me disait si, ça résonne. Et moi, je pense que ouais, ça répond à un truc de notre société. Je ne suis pas très, très éloquent là, sur le point que j'ai essayé de faire, mais j'ai cette intuition-là. Ouais. Alors, je tenais juste à apporter une toute petite précision. Des fois, il peut y avoir des thérapies courtes qui durent plus d'un an. Des fois, il y a des psychanalyses qui durent moins de trois ans. Et ouais. Ça peut se passer très bien, ça dépend juste des gens. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce côté un peu hérétique, ce côté un peu contre-pouvoir que tu as fait, que tu crées dans ce podcast, qui est intéressant. Et toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que tu continues à développer ce podcast? Qu'est-ce que tu amènes de nouveau après tous ces épisodes, après tout ce que tu as déjà parcouru? Qu'est-ce qui te donne envie encore aujourd'hui de continuer? Comment est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles différemment? L'amour et la curiosité. Non, en vrai, maintenant, je suis assez curieux de comprendre comment la psychanalyse fonctionne, ou plutôt comment les gens disent que ça fonctionne. Je garde quand même bizarrement un peu un truc de geek où je suis là, j'aime bien me reposer la question de multiples façons et je suis très intéressé. Je le sens parce que donc moi je suis plus en analyse et c'est pas du tout un monde dans lequel j'évolue, sinon ça m'intéresse pas des masses pour être honnête. Et là tu vois, je vais avoir un entretien avec une psychanalyste qui tente de parler de féminisme et qui tente de parler d'ouverture sur les questions LGBT. J'espère que l'entretien va se faire. Et je suis super intéressée de savoir comment certains psychanalystes tentent d'intégrer le monde nouveau dans ce monde ancien. Donc, il y a un truc de geek. Donc, j'ai cette curiosité pour la psychanalyse, un peu comme une lointaine connaissance que j'aime. Sinon, c'est vraiment, j'adore l'aventure du témoignage. Parce que le pré-entretien préfigure de certains trucs, mais en fait, j'ai pas de trame. C'est de la roue libre. Et il y a un vrai enjeu à mettre en confiance et en conscience les gens très vite. Parce qu'en fait, tu vois, je demande aux gens 1h30 à 2h, et voilà, l'entretien va durer une heure et demie. Et donc, on ne se connaît pas, on s'est parlé 30 minutes. Ça aide que les gens m'aient entendu parce que du coup, ils ont projeté sur moi des trucs plutôt positifs. Mais sinon, j'adore, OK, comment je mets la personne à l'aise? Et souvent, les gens, ils ne se livrent pas tout de suite. Donc, c'est un peu une énigme. Donc, j'essaye cette question. C'est un peu naze. OK, cette question, c'est jamais naze, pardon. Mais non, ce n'est pas naze, c'est genre non, il y a plus à dire. Comment, par quelle bouche prend le truc et tout? Ça j'aime trop. Et comment je travaille aujourd'hui, le prix a vachement changé. Alors c'est marrant, c'est que j'ai lancé une campagne de levée de crowdfunding. En fait, je demande aux gens, donc aujourd'hui moi j'ai arrêté toutes mes activités pour faire ça, c'est mon choix, et ça change vachement parce que en fait j'ai des auditeurs, auditrices très fidèles. Et tu vois, le mois dernier j'ai fait 15 000 écoutes. Bon, je pense que c'est très bien. Je sais pas trop me comparer et tout, mais en tout cas, il y a des auditeurs, auditrices, quoi. Et j'ai eu 3 dons. Et en fait, les gens veulent pas payer. Et j'aime beaucoup ça parce que je suis un peu déçu. Parce que je me dis, mais en fait, tu m'écoutes chaque semaine, je taffe et tu veux pas payer. Mais j'aime bien parce que non, les gens, ils ont le droit de pas payer, c'est gratuit, puis c'est le. Mais j'aime bien parce que ça m'amène beaucoup de liberté, où je me dis, clairement, je le fais pour moi, quoi. Avant tout, j'ai envie que ça soit un chouette contenu qui plaise, mais en fait, il n'y a pas de lien. Il y a un truc un peu qui s'est. Il y a une utopie qui s'est brisée pour moi un peu. Et le prix est venu aider, le prix que j'ai gagné. Donc, depuis, ça m'a donné de la confiance en moi. Et depuis, mes épisodes sont plus longs. Parce qu'avant. Il fallait que ça soit moins de 60 minutes pour une raison qui m'échappe, mais j'étais là, non, après c'est trop long, les gens n'aimeront pas, ils ne me valideront pas, ou que sais-je, quelle pensée j'avais. Et en fait, donc du coup, maintenant les épisodes sont plus longs et c'est plus mieux parce qu'en fait, je trouve que
C'est mieux, j'aime mieux. Et je ne me sens pas attachée. Je développe un autre podcast à côté. Là, pour le moment, il y a des épisodes toutes les semaines, mais j'ai besoin d'air. J'ai besoin que ma créativité, j'ai besoin que le podcast puisse s'interrompre. Voilà. Et puis, je pense que les deux gros il faut que j'ai réussi à débloquer. Donc, moi, j'avais zéro compétence et expérience dans ce domaine du podcast. Donc, j'ai tout appris de zéro. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et en fait, là, récemment, le prix que j'ai gagné, alors même que je n'avais pas de technicité et que mon son avait des bugs, ça m'a ouvert la porte pour me dire, vas-y, en fait, je simplifie. Et du coup, je suis vraiment sur un format très simple de prise de son, de mixage. J'y passe peu de temps parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, donc quand tu dis comment tu travailles, je sors de la vanité de ce que je devrais faire. Donc, bon, bah, quand tu as un podcast, il faut soigner ceci, il faut soigner cela. Moi, en fait, si vous voulez un son absolument parfait à la France Inter, bah, écoutez France Inter. Parce que moi, je ne sais pas faire ça. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens, de faire des épisodes. Ce n'est pas de les peaufiner. Donc, le gros, il faut que j'ai su débugger, c'est il faut monter. J'étais paniqué à l'idée de, bah, voilà, de faire entendre tout le brut. Et en fait, j'ai failli arrêter le podcast pour ça, il y a un an. Où, en fait, j'avais des épisodes qui attendaient d'être montés. Je passais 5 heures de montage par épisode. Et en fait, j'étais là, bah, moi, je vais arrêter le podcast parce que. Ben moi, ça me bouffe trop de temps, puis ça ne me fait pas plaisir en fait de moi me réécouter, puis réécouter les gens pour moi prendre un choix, faire un choix décisif sur la puissance de cette parole plutôt que celle-là, j'ai détesté. Et en fait, du coup, j'ai décidé d'essayer. Avant d'arrêter, je vais essayer de publier non monté, et les gens n'ont pas vu la différence. Donc, on est vraiment sur la question de la légitimité, là, sur. Ouais, du perfectionnisme. J'ai l'impression qu'un projet ne peut pas être bon si tu n'as pas souffert, si tu n'as pas galéré. En moi, le moment où tu me dis, on rencontre, on discute, je mixe 5 minutes, c'est-à-dire j'ajoute 2, 3 petits effets sonores pour que ça soit plus mieux, puis je publie, c'est pas possible, ça n'a pas marché, c'est pas assez compliqué. C'est ça et la légitimité, ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens, toi, Guillaume? Elle est chaude ta question. Tu peux rester habillé. Hein. Qu'est-ce que je deviens en tant que. Non, non, aide-moi. Hein? Après tout ça, Ouais. après avoir amené les gens à se raconter, après t'être pris des scuds assez violents d'analystes, après avoir rencontré des analystes, parce qu'il y a des analystes qui sont venus vers toi, qui sont venus témoigner. Il y a des gens qui sont venus prendre la parole. Il y a eu toute cette construction en 2 ans que tu as fait. Tes podcasts que tu multiplies, tu en as arrêté un sur la céramique, on a créé un autre sur des témoignages d'histoire, qui s'appelle comment d'ailleurs? Histoire de devenir moi. Et qui a été lancé il y a un mois, c'est ça? Et qui on retrouve où? Sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. En vrai, dans les descriptifs de chaque épisode, il y a mes liens vers mes autres Et podcasts. donc, on renvoie tout le monde vers les descriptifs de tes podcasts. Après tout ça, après toutes ces créations, le Guillaume qui entreprend sur les podcasts, qui est-ce qu'il est aujourd'hui par rapport à il y a 2 ans, avant la création de ces podcasts, après toutes ces épreuves techniques, émotionnelles, organisationnelles, qui est Guillaume? Eh bien, il est super heureux. Non, franchement, c'est cool. C'est vraiment chouette. C'est marrant parce que pour le moment, j'arrête pas de décider d'arrêter un podcast plutôt que l'autre, mais ça change sans cesse. Donc, pour le moment, en fait, tant qu'il y a de la joie, j'avance. Et je crois que c'est vachement important pour moi. Dès qu'il n'y a plus de joie, toi, en tant qu'invité, tu vas le sentir, en fait. Parce que mon regard, mes questions, elles seront plus intéressées. Elles seront. Et du coup, en fait, la magie n'opérera plus. Et je pense que c'est vachement important. Et c'est dur parce que le podcast, il devient populaire, tu vois. Tu as des gens qui sont à. Tu vois, je sais pas, je vais avoir 3 000 abonnés. C'est peut-être pas beaucoup pour plein de gens, mais pour moi, c'est énorme. Ça va être dur le jour où je vais dire, bon, bah, je pense que j'arrête. Parce que. Il y a tous ces gens, tu vois, qui m'envoient des super chouettes messages et tout, donc je serai un peu triste. Aujourd'hui, Histoire de devenir moi m'inspire vachement. Donc, c'est des témoignages de tournants de vie. C'est des gens qui racontent un moment
un tournant clé, un moment ou une décision déterminante de leur vie et qui racontent qui ils étaient avant ce moment tout décisif et qui ils sont devenus après. Et ça veut dire quoi, devenir soi? C'est peut-être un peu galvaudé et tout, mais en gros. Ouais. Et en fait, ce que je découvre, le titre, c'était une intuition. Donc, j'ai une série de témoignages de différentes personnes et je découvre qu'en fait, moi, j'ai envie de prendre une place, c'est-à-dire histoire de devenir moi, au sens littéral, moi, à deux endroits. J'ai envie d'essayer une expérience. En fait, une de mes invitées, une de mes témoignantes, c'est une énergéticienne, c'est une femme entrepreneur, start-upeuse, très école de commerce comme moi, j'ai été formée. Privilégié comme moi, enfin, on vient du même milieu social et on a un chemin très différent. Un jour, elle découvre qu'elle a un don de médiumité, elle entend des voix et elle est en capacité de. Elle découvre les énergies et le monde de l'invisible et la magie et la voici devenue guérisseuse. Et sauf que moi, je l'avais rencontrée dans un cadre très business et c'est vraiment une super fille. Et j'ai vraiment confiance en elle, elle est très rationnelle. Et en fait, dans nos échanges où elle me raconte en tant qu'amie sa transition, je suis saisi par son intelligence et par le fait qu'elle ne soit pas du tout perchée. Donc, j'ai envie de faire un podcast avec elle sur Histoire de devenir moi. Et à partir de là, de partir dans une expérience moi avec les énergies. C'est-à-dire, moi, j'y connais rien, j'y crois pas. Et elle me dit, viens, on fait un processus. Et de faire entendre cet intime-là, qui pour moi est la prochaine frontière que j'ai envie de transgresser. En m'assurant que les gens que j'embarque là-dedans, donc en fait, si je partage mon intime, je partage forcément d'autres gens, parce que j'ai un rapport au monde. Donc, j'ai envie de trouver une façon pour que l'anonymat et que la vie des autres soient respectées. Mais je pense que j'ai un peu comme un artiste qui dénuderait sur scène. Moi, je me dis, mais comment tu te mets à poil? Je crois que je suis attiré par ça. Et comment puis-je le faire d'une façon intéressante, c'est-à-dire moi je m'en tape de moi, oui bon super je me suis raconté et tout, mais moi non, j'ai envie de t'embarquer dans un voyage. Comment ma nudité elle intéresse au-delà de mon corps magnifique? Et donc histoire de devenir moi, il y a peut-être un peu cet élément, je m'auto-fais rire, c'est quand même assez cool. Il y a ça qui m'intéresse. Il y a une transgression aussi, parce que moi, dans le milieu dans lequel je viens, dans ma structure familiale, franchement, les énergies, être guérisseuse, énergéticienne et tout, c'est mal vu. Et d'ailleurs, dans le monde en général, tu vois, c'est des trucs de perché. Moi, j'adore, un peu comme la psychanalyse, qui est quand même considérée par plein de gens un truc de riche et de perché. J'adore aller à l'endroit du perché et l'éprouver. Je suis chaud. Et le deuxième truc, ma réponse est un peu longue. J'ai vraiment envie d'aller explorer le rapport à l'argent, mon rapport à l'argent, dans l'histoire de devenir moi, parce que ça, c'est vraiment une de mes clés fondatrices. Mon rapport à l'argent, mon rapport à la sexualité, mais ça c'est aussi, c'est sur un autre podcast déjà, qui a été tout un cheminement et que je continue. Et je crois que le prochain, c'est le rapport à l'argent. Et j'ai l'intuition qu'il y a un rapport à la mort aussi, en sujet, mais lui, il me fait vraiment trop peur. Lui, en fait, je ne suis pas en capacité de dire... Pas encore, oui. Pas encore. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je deviens ça. Et je suis à la conquête de ma liberté, je suis à la conquête de mon épanouissement en sortant des obligations normatives que je me mets. Mais il faut, je dois. Et ça, c'est quelque chose que je donnerai à la psychanalyse. D'ailleurs, au fur et à mesure de mon processus de psychanalyse, j'en suis tombé amoureux, en fait. Une manière de rechercher, de comprendre. Moi, si les gens ont de l'argent, et c'est ça qui me gêne, parce qu'en fait, on est dans un monde où c'est vraiment un sujet, mais du temps et de l'argent, parce que je pense que c'est quelle sacrée aventure qui libère et qui sort des normes. C'est ça que moi, j'ai découvert sur le divan, et j'ai vraiment une reconnaissance pour mon chemin, pour ma chance et mon privilège d'avoir eu ce chemin, et aussi un peu pour mon analyste, c'est que... sur le divan, tout est permis, tout est dissible. Et ça vient faire péter les normes, parce que, en tout cas, les normes qui ne te correspondent pas, elles ont du mal à survivre sur le divan, ou en tout cas, tant qu'elles sont là, tu gardes une douleur, tu gardes un truc où tu es là, et, puisque tout peut se dire, puisque la règle du jeu, c'est de dire tout ce qui passe par la tête, quel que soit ton niveau d'étude. Et certainement, en fait, moins tu as lu de théorie, et plus tu es bienvenu en psychanalyse, parce que en fait, plus les gens se croient intelligents, en mode j'ai lu Freud et tout, plus ils sont bloqués, parce qu'ils ont ne cesse de,
de se suranalyser tant qu'il tente de dire, tu vois. Non, non, moi j'étais bien 19 ans et sans rien de tout ça. Et du coup, ouais, c'est. Puisque la règle du jeu, c'est vas-y, je crois que Freud disait, décris le spectacle que tu vois assis dans un train qui va assez vite. T'es d'accord que tu peux pas finir tellement tes phrases parce que cet arbre a laissé place à ce poteau ou à ce champ ou à cette vache. Je sais pas à quoi ressemble la campagne viennoise ou autrichienne. Mais ça, je trouve ça trop stylé. Et c'est très simple comme règle. Et c'est là où tu vois. L'endroit où ton discours est empêché. Et c'est là où il me semble, moi, avoir décelé des normes. J'étais là, mais pourquoi je n'ai pas le droit de dire ça? C'est quoi le. Et ça, je suis. Et de quoi je suis à la conquête de continuer cet épanouissement et cette liberté. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Avec plaisir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Maintenant, je vous propose, à vous qui nous écoutez, de poser vos questions. On vous entend en direct, donc n'hésitez pas à poser vos questions et Marilyn, je te Guillaume pose une pourra y question. répondre. Marilyn, posez une question. Oui, bonsoir à tous. Alors moi, j'écoute vos podcasts depuis le début. Je voulais Merci. juste souligner l'importance de votre démarche dans la diffusion de la psychanalyse, qui, à mon avis, est tout aussi importante et bénéfique que des conférences ennuyeuses de certaines associations de psychanalyse. Et je fais l'association aussi avec la série En thérapie, qui a aussi pour but de rendre un peu plus accessible et de diffuser cette discipline. Et voilà, je trouvais ça super, donc je voulais juste vous le dire. Et j'avais après Merci. deux questions. Je vois au fil des épisodes qu'en fait, ils se focalisent beaucoup moins sur la question de la dernière séance. Alors, je me demandais si vous n'envisagiez pas peut-être de renommer le podcast. Et également, le dernier épisode de Frédéric, qui s'est permis d'aller à la mer, s'est clôturé d'une manière. Différentes des autres, et je me demandais pourquoi. Il y a eu vraiment comme une scansion en fait au niveau de la fin de l'épisode. Ouais. Alors déjà, j'ai envie de rebondir sur. Alors plus généralement, pour les gens qui sont présents sur Zoom et qui posent des questions, moi, je suis très ouvert et très heureux d'accueillir. J'ai invité Thibaut à le faire. Des gens qui sont pas d'accord ou qui ont envie de dire des trucs négatifs. Peut-être que les gens qui prennent du temps pour m'écouter sont plutôt contents. Je sais pas. Mais en tout cas, j'invite. Je suis vraiment curieux d'entendre le différent. Deuxièmement, non, j'aime beaucoup ce titre et tu n'es pas, et je me permets de tutoyer tout le monde, tu n'es pas la première à me le dire et je crois à chaque fois ne jamais manquer cette question de la dernière séance, mais je pense que j'ai tort parce que si plusieurs personnes me le disent, ça doit être le cas. J'adore ce titre et il ne changera pas parce qu'on parle bien de ce qui est resté, donc soit de la dernière séance, c'est-à-dire celle qui s'est passée la plus précédemment dans le temps, et donc qu'en est-il resté de cette dernière séance, ou bien la dernière séance dans la forme un peu, ok, je clos ce chemin de psychanalyse, qu'est-ce que j'ai à en dire? Ma dernière séance de psychanalyse. Et enfin, le titre ne changera pas pour le moment, comme je change tout le temps d'avis, tout est possible. En fait, je disais, je parle de moi, et en fait, moi, ce podcast, c'est ma dernière séance de psychanalyse, et j'aime bien parce qu'en fait, ai-je vraiment terminé mon analyse et ne suis-je pas à chaque témoignage encore dans ma dernière séance de psychanalyse? Très souvent, quand je me l'autorise, je rebondis sur l'histoire des gens, elle me touche profondément et elle fait bouger des lignes en moi, comme si j'étais analysant. Sur ta dernière question, Frédéric, j'ai un tunnel de Frédéric. Donc là, tout à l'heure, j'ai parlé de Frédéric, qui a un double témoignage sur son combat contre l'alcoolisme et son pardon qu'elle a voulu donner, offrir à son frère homosexuel. Et puis, il y a eu un autre Frédéric dont tu parles. Et prochainement, il y aura encore un autre Frédéric qui s'appellera Fred. La fin du dernier épisode est scandée, ou je ne sais plus ce que tu as dit, est coupée.
En fait, puisque j'ai décidé de faire des épisodes plus longs, maintenant c'est 2 fois 45 minutes. Donc chaque semaine, tu as la partie 1 et la partie 2. Et comme moi je prône la simplicité, j'essaye autant que faire se peut autour de ce 45 minutes de trouver un moment où il est bon de couper la parole. Mais parfois c'est un petit peu claque au couteau bien épais. Donc c'est peut-être ça que tu as entendu, un manque Il va y de. avoir peut-être un deuxième épisode qui n'est pas encore en ligne. Exactement. Non, Au début de cet pas, épisode, tu as d'accord. entendu, vous écoutez la partie 1. La partie 2 que tu as plus que quelques jours à attendre, c'est dimanche prochain, elle sortira. Et normalement, j'ai ajouté une petite intro, vous écoutez la partie 1, mais peut-être qu'elle n'est pas très claire. Et c'est là où on revient sur la posture. Je parlais de posture de Guillaume, où il y a en même temps un côté très... Très, je ne suis pas analyste, mais je le fais quand même. Je ne suis pas journaliste, mais je le fais quand même. Enfin, de mon point de vue, bien évidemment, ça n'engage que moi. Et donc, du coup, il utilise aussi des fois la scansion, qui est très lacanienne pour le coup, Mais sauf que je où sais pas ce que ça veut dire en vrai. la scansion, c'est interrompre, Ah un, oui. interrompre une analyse pour que la fulgurance apparaisse chez l'analysant, lui permettre de prendre conscience de choses que le psychanalyste, le thérapeute, pardon, le psychanalyste. Voit comme nécessaire. Et donc, du coup, toi, en relevant ça d'un coup, on peut le vivre quand on est psychanalyste. Mais sur cet exemple, justement, j'ai pensé à ça parce que c'est le moment où tu prends conscience qu'il t'a dit qu'il allait à la mer et tu dis, ah oui, mais j'avais pas percuté que c'était aller à la mer. Et Ouais, ça, en oui, il fait, était joli ce moment. ouais. Bon, Non, voilà. non, vraiment, c'est très rigolo parce que, et c'est ça que j'adore dans l'absence de perfectionnisme que j'essaye de travailler et qui est vraiment un défi pour moi, c'est qu'en fait, c'est marrant, mais les choses jolies émergent même quand j'essaye pas qu'elles émergent. Et je pense que ça me fait vachement du bien, ça me C'est détend. la magie de la En gros, psychanalyse. c'est la magie de la psychanalyse, si tu veux, Thibaut. En gros, moi, j'adore vous dire que dans les coulisses, moi, dans mon fichier audio, je suis allé à 45 minutes parce que c'est le milieu pour avoir 2 épisodes à peu près équivalents. Et là-dedans, j'ai cherché une respiration et un moment où on n'était pas au milieu d'un sujet. Mais je trouve ça très chouette, ouais. C'est vrai que c'est une jolie fin pour cet Merci épisode. beaucoup. Merci Marilyn. Christine, tu voulais nous dire quelque chose? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Bon, tout d'abord, je voulais vous remercier pour tout ce que vous dites. C'est très bien raconté et c'est très plaisant. Je vous ai Merci. découvert par rapport à ce séminaire, donc je ne vous connaissais pas du tout. Ce qui m'a intéressé, c'est que toute nouvelle étudiante, quoique déjà d'un certain âge, je suis intéressée par le retour des gens qui ont fait une psychanalyse parce que faisant une psychanalyse depuis le mois de mai, je me suis demandé est-ce que les autres psychanalystes ressemblent à ce que je suis en train de vivre? Donc c'est très de façon très intéressée que j'écoute Super. vos podcasts. Deuxièmement, j'ai écouté un podcast, c'était l'histoire au départ d'un couple. Alors je me souviens plus du nom d'un couple et après c'est une dame qui était en fin de vie et Oui. qui voulait Oui. s'alléger de beaucoup de choses pour partir la plus légère possible. Et quoique n'ayant pas cet âge et n'étant pas dans dans ce moment de vie-là, j'ai commencé ma psychanalyse dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire, j'ai 60 ans. Et je voulais vraiment me débarrasser de certaines choses que je porte depuis des années, pour partir vers plus de liberté, plus de joie, plus de légèreté. Et c'est aussi c'est dans cet état d'esprit-là. Et par ailleurs, vous allez peut-être rire, mais mon projet, c'est de devenir psychanalyste en sachant que je mettrai tout mon pouvoir pour y accéder dans cette vie-ci, mais en espérant revenir dans une autre vie pour avoir de l'avance et cette fois-ci être dans la bonne famille avec les bonnes personnes.
Voilà, donc vous voyez, j'ai de l'espoir parce que je vois loin. Je vois loin après. Donc, je vous remercie pour tout ce que vous apportez et je ne manquerai pas d'écouter vos prochains podcasts. Hein, et je suis abonnée, voilà, depuis pas longtemps. Merci. Merci. Voilà. Merci, Christine. Merci. Est-ce qu'il y a parmi vous d'autres questions ? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de donner le mot de la fin à Guillaume, puis à notre très aimé, très vénérable et très aimable secrétaire. Et je vous remercie pour votre temps et pour ce format un peu original qu'on essaye de faire entre l'interview, le témoignage pour l'APE. Guillaume ? Moi, le mot de la fin ? Moi, je trouve qu'on s'est dit plein de trucs bien. C'est quoi le mot de la fin que je trouverais chouette ? C'est peut-être la fin FIM. C'est peut-être la fin FIM. Non, moi, je n'ai pas faim. mais oui, elle est bonne. Elle est bonne. Moi, je trouve que... En fait, j'ai l'impression que ma dernière séance de psychanalyse, le cheminement des épisodes, jusqu'à présent, je les ai toujours publiés dans l'ordre chronologique. Tous mes podcasts sont publiés dans l'ordre chronologique, avec cette intuition que ben, c'est important que les gens puissent entendre le cheminement tel qu'il s'est fait réellement, tu vois ce que je veux dire ? Donc, si cet épisode, il a été... tourner en été, ou là, il faut qu'il soit... voilà, c'est dans l'ordre chronologique. Et je crois que c'est aussi parce que, et je ne m'en ai pas rendu compte, c'est mon chemin de psychanalyse. Donc oui, Thibaut, je te l'accorde en conclusion. Ce que je fais, c'est de la psychanalyse. Je crois que c'est ma psychanalyse que je continue à faire. Parce que... et en fait, c'est pour ça que c'est chouette pour moi. C'est que, et c'est ça qui, c'est vraiment ce fil rouge qui me fait avoir envie de continuer. C'est parce que du coup, je ne le fais pas pour les autres. Je trouve que tous les compliments que je reçois sont délicieux. J'adore. Franchement, si les gens veulent continuer à m'écrire, c'est pas du tout. Je prends le temps de les lire, puis je suis vraiment en joie. Ça me touche. Ça, et les gens peuvent aussi mettre 5 étoiles sur leur plateforme d'écoute s'ils veulent aussi. Et un commentaire s'ils le peuvent sur leur plateforme. En vrai, ça me fait vraiment plaisir. Mais en vrai, l'important pour moi, imaginons que je perds toute mon audience et qu'on retombe à 5 personnes, ben moi je continue et j'ai envie de le faire pour moi. Et je pense que c'est ça ce message que je m'offrirais au moi du tout début. C'est n'aie pas peur. Moi je me disais, mais c'est égoïste, c'est très prétentieux. Genre, c'est les mauvaises personnes qui se mettent en avant comme ça, qui font « tu fais quoi dans la vie ?» Mais je me fais kiffer, je travaille sur moi, je fais mon... Et parce que j'avais l'impression que, je ne sais pas, il y a d'autres métiers en CDI, plus vénérables, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que non, on faisait quand même un peu tous notre affaire pour nous-mêmes, tu vois, avec les autres. Et je crois que c'est d'assumer cet élan, cette libido. Ah, tu vas trépigner. Voilà un terme... freudien, non ? Oui, mais on le fera promis sur un autre épisode ensemble, promis. D'accord. Non, mais tu vois, cette libido de vie. Pulsion de vie, c'est la pulsion de vie. Ouais, tu vois, cette joie, cet élan à du coup cheminer sur moi. Et du coup, moi, je suis nourri à chaque épisode. J'espère que les autres le sont, pourquoi pas. Et c'est ça, c'est mon armure face aux agressions. Moi, tant que l'invité est nourri, que moi, je suis nourri. Et mon dernier mot, venez témoigner. Viens détémoigner. Mon email, c'est guillaumefaitdespodcasts@gmail.com. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Merci à toi. Merci à tous et à toutes. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain. À bientôt. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir, au revoir.